Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce guide du survivalisme numéro 3 consacré à l'orientation. L'orientation peut parfois faire peur, mais je vais vous montrer dans cet épisode-là, peut-être ça en est en deux parties aussi, comment appréhender de la bonne manière l'orientation. Anticiper l'orientation ou tout simplement vous partez entre amis en forêt, en balade un bon dimanche après-midi d'été. Et vous faites un peu les foufous et puis à un moment vous faites un peu de hors-piste et vous savez plus par où vous êtes venu. Et là seulement le problème c'est que la forêt est immense. Et se perdre en forêt c'est vite faisable et ça peut très vite devenir problématique. Surtout si vous avez pris la voiture et fait pas mal de kilomètres pour aller marcher dans une forêt. C'est beaucoup plus simple si vous êtes à côté de chez vous hein, bien sûr. Bien qu'il faut quand même trouver la route. Mais enfin, là je sais qu'il y a la route pas loin, bon, mais en plus, en servant un peu plus de mes oreilles, j'arriverai sûrement à me repérer. Mais après, faut-il savoir aussi écouter correctement. Et donc, appréhender l'orientation avant de se perdre, ou au moment où on dit, ah bah effectivement, oui, je suis perdu, je sais par où je suis venu, par où je vais. Donc voilà, nous verrons ça dans cet épisode. Bon visionnage. Bon. Et bon.
Bien. Alors, avant de parler de technique et d'aller plus loin dans cet épisode, je vous propose d'abord de faire un petit coup d'œil sur la boussole. Ça, c'est les boussoles qui sont faites pour la randonnée. Donc, on a déjà les différentes échelles, à 25 millièmes, à 50 millièmes et à 25 millièmes. Voilà, c'est en fait l'échelle de la carte. Et donc, vous allez avoir donc des graduations pour tracer votre chemin. Pour l'instant, on va seulement s'intéresser à la boussole en elle-même. D'abord, connaître les quatre points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Déjà, c'est un début. Le soleil se couche et se lève. Le soleil se lève et se couche. Déjà, on va regarder comment le boussole se tient. Mauvaise position, bonne position. La boussole doit toujours être horizontale. Savoir où est mon nord. Donc, le nord, il est derrière. Il est dans cette partie-là. Okay. Donc, je sais où est mon nord, je sais où est mon sud, je sais où est l'ouest et l'est. L'ouest et l'est. Donc, déjà, ça c'est un. Moi, je dirais c'est un bon début. Donc là, j'ai planté un bâton dans le sol qui fait à peu près 1 cm à 1 mètre. Ça, c'est plus ou moins important aussi. 1 cm, c'est le minimum vraiment que vous devez avoir. Donc, le bâton va projeter une ombre partenaire. Et à l'extrémité de cet endroit-là, vous placez un caillou. Pour les besoins de la vidéo, j'ai fait une petite simulation avec une cordelette et un bâton pour simuler en fait la trajectoire de l'ombre qu'il y aurait eu au bout de 3 heures. Pour les besoins de la vidéo, j'ai fait ça sur 15 minutes, où j'ai accéléré bien sûr la vidéo pour qu'on voit bien le changement trajectoire de l'ombre. Arrivé à la fin de 3 heures, normalement vous avez vraiment bien un écart entre la première pierre et la deuxième pierre, sauf que là on verra pas vraiment puisque c'est sur 15 minutes, mais enfin on peut quand même voir le déplacement de l'ombre. Du fait que le soleil descend à l'horizon côté ouest, tous les ombres portées vont se déplacer en fait vers le côté est. Donc une fois que vous avez cet écart entre la première pierre et la deuxième pierre, vous allez pouvoir tracer une perpendiculaire entre ces deux cailloux et vous allez pouvoir avoir votre nord et le sud. Si la lune s'est levée avant le coucher du soleil, le croissant de lune éclairé vous montrera la direction de l'ouest. Si la lune s'est levée après minuit, le croissant de lune éclairé vous indiquera la direction de l'est.
L'ami, sur la survie, là on va s'intéresser à un cas que je vois souvent dans mes recherches, c'est sur la mousse sur les arbres qui indique le mort. Alors, je vois beaucoup, il y en a qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est pas vrai. J'ai pu faire le test, et effectivement, des fois c'est vrai, et des fois c'est pas vrai. Donc, prendre ça en considération quand vous êtes perdu, ça risque de vous faire tourner en rond. Donc, moi je dirais. Vous pouvez prendre l'information, d'avoir les connaissances c'est toujours mieux, mais ne pratiquez pas cette chose-là. Ça peut être vrai dans certains endroits, peut-être, où la topographie peut être justement adaptée.